Ben, il y a des candidatures, il y a des équipes qui vont écrire pour postuler. Et par exemple, j'ai eu deux demandes pour des équipes de la Belgique. Et puis, nous avons répondu à une. Et puis, brusquement, il y a une semaine, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils n'ont pas trouvé le nombre de coureurs. Donc, ils ne peuvent pas venir. Quand je me suis rabattu sur la première équipe qui avait demandé, là non plus, ils m'ont dit que c'est trop tard. Donc cette année, il n'y aura pas d'équipe de Belgique. Par exemple, il y a une équipe de Suisse, il y a une équipe d'Angleterre qui ont répondu positivement. Nous travaillons avec la sélection de la République dominicaine. Et puis, nous aurons aussi peut-être soit une équipe de Canada, pas les deux ensemble, ou une équipe des USA. Et à côté de ça, il y a la sélection de Guadeloupe, il y a la sélection de Guyane, une entente de clubs de la région d'Alsace, et puis une équipe de l'île de France, vous avez vu, nous sommes déjà à 7 équipes. Voilà, donc on a vite fait le tour. Cette Et équipe. plus on va augmenter des équipes, c'est plus financièrement, on ira dans le gouffre. Et par équipe, ils sont de combien de couverts? Ils peuvent aller jusqu'à 6. S'il y a 5, c'est bien. Mais il peut pas avoir moins de 4. La limite, c'est 4. Bien, bonjour l'équipe de Mantiga. Bon, alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Donnez-nous Oh bébé, nous parlons, allez Mantiga, Ça a bien commencé, parce qu'on avait 4 coureurs dans les premières passions. Malheureusement, on a perdu sur crevaison à Peter Klaus, notre jeune coureur sud-africain. La bagarre déjà été déclenchée devant et c'est très difficile de rentrer. Donc on a perdu un bon élément. Attends. Les 3 autres, ils sont fait ce qu'ils ont trouvé. Malheureusement, dans le contre, on aurait préféré que ce soit le meilleur classé au général que Christian Clopin. Mais c'est l'autre jeune coureur, Beguini, qui était devant. Bon, finalement, ça n'a pas fait une super opération. Mais l'important, ce que je retiens, c'est que les garçons, ils étaient motivés, ils étaient devant et au moment quand il fallait. Mais si on veut dire, il y a des étapes qui nous ont fait peur quand même. La peur, à moi personnellement, non. Peut-être au coréen parce qu'ils sont jeunes quand même. Mais bon, c'est à travers des étapes comme ça et des tours comme ça qu'on devient grand. Oui, absolument. Et puis il faut passer par là pour être grand comme des deux. Alors donc, vous êtes de Calais, peut-être. Non, pas du tout, c'est à l'opposé, c'est à côté de Marseille. Ah oui. Alors donc, est-ce que vous êtes déjà venu pour nous voir, mais c'est la première fois? Non, non, l'équipe est déjà venue 4 fois auparavant. Moi-même, j'ai couru pour le Martinique quand j'étais coréen. Et juste pour petite mémoire, Cédric Eustache était dans notre équipe. Et notamment, il vient de double appartenance, il y en a quand il a gagné. Donc, Martinique, c'est quelque chose qui me tient vraiment au cœur. Eh bien, c'est gentil, merci de nous avoir. Il y a moins de produits à l'interview. Alors donc, on vous souhaite que de bonnes choses pour Ça va? Merci, merci à vous et bonne continuation pour vous. Merci. Merci. C'est une radio qui s'intitule Andy FM Martinique. Vous l'avez déjà entendu? Oui, ben, en traversant un peu, en cherchant sur les radios les commentaires, on est tombé un peu sur les radios qui transmettent
la course. Donc forcément, il y a des moments qu'on était sur votre radio également. Ok, mais c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok.